Waouh! Comme il fait chaud ici! Mais ce n'est pas une chose qui va m'empêcher, qui va nous empêcher de voir à côté les vraies choses. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et cliquez sur YoSoBorn, allez sur la page d'accueil, abonnez-vous sur trois autres chaînes. Il s'agit de YoSoBorn 2, YoSoBorn 3 et de Young TV. Depuis le lundi, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo précédente, nous sommes dans les problèmes ici depuis le lundi. Parce que une star a rendu l'âme. Une star a disparu. Bon, moi je ne peux même pas dire rendu l'âme parce que je n'ai pas encore vu son corps. Tant que je n'ai pas encore vu son corps, je ne crois pas encore au fait qu'il soit parti. Elle soit partie quoi. Donc je préfère dire que cette star a disparu. Et depuis son avènement, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que parler. Chacun se lève, il dit ce qu'il a envie de dire. L'autre se lève et raconte ce qu'il a envie de raconter. Peut-être que nous sommes tous en train de raconter des histoires. Voici qu'un pasteur va se lever et dire que Dieu lui a dit que lui peut ressusciter ses stars. Ah! Il dit que Dieu lui a dit qu'il est capable de ressusciter ses stars. Il a fait des vidéos, il a posté. Et il attendait l'autorisation de certaines personnes qui étaient proches à ce dernier. Et un délai était donné. Est-ce une mise à l'épreuve de Dieu pour voir juste si les gens croient en lui? Ça, c'était un vrai challenge, c'était un vrai défi, quoi. Et ça, c'était aussi une belle opportunité pour nous de revoir notre frère du pays. Parce que pour nous, sa résurrection, c'est une bonne nouvelle. Non seulement pour lui-même, parce qu'il va retrouver ses enfants, il va retrouver sa famille, il va retrouver ses proches. Ou il aura l'opportunité de nous révéler aussi ce qui s'est réellement passé, le mystère de sa disparition. Et pour moi, et comme tous les jeunes du pays, c'est une bonne affaire à saisir. De toute façon, si vous dites qu'il est mort, ça veut dire que son corps est couché là. Ça veut dire que c'est fini, c'est parce que c'est fini que vous dites qu'il est mort. Maintenant, si on nous dit que Dieu peut faire quelque chose, il faudrait qu'on essaie au moins, non? Ou bien, il faut essayer. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire que ça n'a pas marché au moins. Depuis quand une star est décédée dans le pays, et puis un pasteur s'est levé pour venir dire que il peut prier et que Dieu peut faire quelque chose. Depuis que moi je suis même dans le pays, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que j'assiste à cela. Donc pour moi, c'était peut-être quelque chose à tenter. Beaucoup de personnes se sont levées pour dire des choses terribles. Les gens disent que peut-être c'est quelqu'un qui veut se faire voir, il n'est pas bien dans sa tête, c'est un fou. Les gens disent que c'est parce que chez lui il fait chaud, c'est pourquoi il est venu parler comme ça. Mes frères et sœurs, regardez, ça là, ça va comment? Ce qui est en haut là, ça va pas comment? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Hein? C'est tellement chaud, mais que vous pouvez pas voir. Ça va pas comment? C'est pas le soleil? Vous pensez que là où je suis là, j'ai froid? Arrêtez de me dire les histoires. Vous aimez le gars là ou bien vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous êtes même sûr que vous aimez même cette star-là? Ah! Voici une belle opportunité pour nous, une belle opportunité qui s'offre à nous. On dit on va aller faire un truc pour que ça puisse fonctionner. On va au moins essayer. Les gens se mettent à parler, les gens se mettent à parler, à parler, à parler. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ses parents.
Parce que cet homme avait juste besoin de l'accord de sa mère, de l'accord d'une autre personne qui était le gouvernement. Et puis, bon, c'est pas d'autres personnes, mais c'est tout ce qu'il lui fallait, quoi. Parce que avant de toucher le corps, là, il faut d'abord passer par des gens. Tu ne peux pas te lever comme ça pour aller toucher le corps des gens. Et puis, en même temps, sans doute, c'est une procédure que Dieu lui a donnée. C'est ce que Dieu lui a dit de faire, ce qu'il a dit de faire. Hein. Ou bien, s'il fait ce que lui a envie de faire. Après, quand il y aura un miracle, il va dire que c'est lui qui l'a fait. Et que c'est pas Dieu. Donc, il faut qu'il il fasse ce que Dieu lui a dit, ou bien ce qu'il est censé avoir entendu de Dieu, non? Ou bien. Donc, normalement, les gens ne devaient pas trop même parler, mais pour essayer de le bloquer. Laissez-le. Non, mais après, on nous dit qu'on reconnaîtra les vrais prophètes par l'accomplissement de tout ce qu'ils ont dit. Tu voulais laisser aller tenter le coup. Mettons, on attendra le résultat, ou bien. Les gens sont en train de parler, pendant que le cadavre est là-bas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont compris ça tout de suite. C'est tous ces fans ont compris ça. Ils ont commencé aussi à faire des vidéos, des milliers de vidéos, pour dire, ah, s'il vous plaît, laissez le gars là, il va aller tenter son coup. On ne perd rien. Lui-même dit, il va payer son transport pour venir. Laissez-le. Laissez le gars, il va tenter son coup. Si ça a marché, c'est bon pour nous tous. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et au final, le vendredi, pendant que nous tentons de faire des vidéos, parler pour espérer que au moins on le laisse tenter le coup. Voici les gens qui n'ont rien dit, n'ont rien parlé. Hein. Le vendredi à minuit est passé. La mère a se donné, d'après ce que le pasteur a dit, la mère a se donné, elle a refusé de le voir. Elle a même chassé. La vidéo est juste là. Précédemment, on a parlé de ça là-bas. Ah! Et c'est ce qui a empêché l'action. Maintenant que minuit est passé là, c'est là maintenant les gens qui étaient cachés, qui ne voulaient même pas venir nous soutenir pour qu'on parle à sa mère ou encore à ses proches pour qu'ils acceptent. C'est là ces gens-là maintenant vont commencer à sortir de passer, de parler, comme si eux, ils attendaient même que ça échoue pour sortir, comme les sorciers qui sortent à minuit pour aller faire les trucs. Ils viennent maintenant, ah, c'est un faux pasteur, si tu étais un vrai pasteur, tu allais aller devant la mort pour crier. Et puis le corps là-bas se remuer dans je sais pas quoi, dans le casier. Va commencer à taper. Mes frères et sœurs, moi je vois que c'est maintenant je vois que ce gars là qu'il disait souvent qu'il a des ennemis là. C'est maintenant je vois que ce sont ces ennemis là mais qui sont même là. En fait, tous ceux qui parlent comme ça là, vous ne voulez pas le voir le gars la ressusciter. Moi je suis dans le besoin, il y a une bonne affaire qui se présente à moi. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que je fais? Je ne perds rien, je tente le coup. Est-ce qu'il a dit qu'il sera filmé? Il ne sera même pas filmé. Vous allez aller, vous l'acceptez, vous allez aller avec lui là-bas. Tout se passe devant vous, ce n'est pas filmé. Le gars se réveille. S'il est sorti, c'est intéressant pour nous. Mais c'est là les gens vont venir se lever pour dire pourquoi est-ce qu'il a forcément besoin de l'autorisation d'un membre du gouvernement. En même temps, des gens de la famille pour pouvoir ceci et cela. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous aimez ces stars-là que vous appelez votre frère, que vous appelez vraiment votre frère là? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Parce que tous ces fans, ils sont chauds. C'est là, on voit que tes vrais frères là, ce sont les gens qui te soutiennent. Gens pour dire, ce sont tes fans quoi. Donc, les vraies paroles de ce gars, ce sont ses fans.
et tout ce qui lui donnait de vrais conseils. Peut-être qu'il était même en vie. Est-ce que vous-même comprenez? Est-ce que vous êtes de comprendre tout ce que c'était vous dire là? Est-ce que vous comprenez? Les gens, on a l'impression que les gens ne veulent pas croire en Dieu ou bien ils sous-estiment Dieu, on dirait. Si vous sous-estimez Dieu, c'est que pourquoi aller voir l'église? Qu'est-ce que vous allez chez là-bas? Vous allez venir à côté des histoires. Vous déjà même vous allez prendre les passages de la Bible pour expliquer maintenant pourquoi eux ils ont refusé qu'on laisse un homme qui veut venir prier gratuitement pour la résurrection de ce gars-là faire son action. Ils vont prendre les passages de la Bible et sur les réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas chrétiens vont devenir chrétiens maintenant. Ceux qui ne vont pas à l'église, qui ne cherchent pas Dieu, qui sont dans les histoires du sexe matin, midi, soir, dans n'importe quoi, la boisson, là, ils vont maintenant venir se lever pour venir raconter ce qu'ils ont envie de dire. C'est-à-dire, eux, mais ils ne veulent pas que le gars revienne à la vie, quoi. Ils ne veulent pas qu'on tente le coup, parce que peut-être que s'il s'est réveillé, leur opportunité d'être le numéro 1 dans leur game, là, ça ne pourra pas se réaliser, parce que sans doute, ils faisaient un peu obstacle. Est-ce que c'est ça? Ce qui est derrière cette histoire qu'on appelle le numéro 1 dans cette histoire de musique, quel que soit le genre musical, quand on dit que tu es le numéro 1 qui a la tête dans ce monde-là, ce qui est assis, c'est un truc. Faites attention, c'est une place qu'il ne faut même pas même chercher même à avoir, quoi. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça d'abord. La vidéo qui va venir, le témoignage puissant qui va arriver, ça vous bien vous expliquer en détail en long et là-dessus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la poche et vous verrez peut-être cette vidéo-là ici. Mais moi, vraiment, je suis dépassé. Cette histoire nous apprend des trucs, hein. Et on a parlé un peu, aujourd'hui on va approfondir, peut-être demain encore, on va apprendre des trucs. Depuis que ce gars-là est parti, là, on ne fait qu'apprendre des choses seulement. On ne fait qu'apprendre des choses. On ne fait qu'apprendre des trucs. Si, il devait aller devant la morgue pour crier pour que son corps se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un veut venir ressusciter mon enfant. Moi, je suis chaud. Moi, j'aime mon enfant. Je pense que Dieu a fait des caméras dans la Bible. Ça ne sera pas filmé pour dire que mon enfant sera, il ne sait pas quoi, ils vont déshonorer mon enfant, le cadavre ou encore quoi. Non. Ça sera fait en secret. Si le pasteur a échoué, ce n'est pas une bonne affaire. Mais ce n'est pas ce qui va gâter le nom de Dieu. De tous les cas, on ne perd rien. Il faut porter le coup. Mais les gens sont restés là. Et ils sont assis. Hein. Et ils attendent tous, mais que minuit passe seulement pour se moquer de lui. Pour se moquer du pasteur pour dire, tu as parlé, rien ne s'est passé, comme ceci, comme cela, rien ne s'est pas produit. Si vraiment Dieu était avec toi, c'est que ça allait être comme ça. Si c'était comme ceci, si c'était comme ça. Mon frère, mes frères, ça nous allons vous dire. Les gens pensent que c'est fini. Les gens pensent que c'est fini. Si Dieu est vraiment, si c'est vraiment Dieu qui a vraiment envoyé ce pasteur-là pour venir prier pour que quelque chose se produise et que cette star-là se lève pour parler à sa gloire au lieu de chanter pour le sexe ou pour quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit, chanter pour le monde, tout ça. Mes frères, si Dieu voulait vraiment utiliser, Dieu était dans cette action-là. Qui voulait utiliser cette salle-là pour venir parler pour lui, pour sa gloire, en tout cas en ses services. C'est que ça va pas rester comme ça. Si c'est vraiment un message de Dieu, ça ne va pas rester comme ça. Si c'est vraiment Dieu qui dirait ce qui est en train de se passer là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, ce serait trop facile. Nous sommes là, que Dieu nous donne tous longue vie. Nous voulons voir. Nous allons nous partager des trucs ici. Ah, préparez-vous. Ça là.
si tu es vraiment de cette histoire et que ce sont des gens qui ont préféré demander à la mère à ce gars-là de dire non, c'est que on va être les choses vont sortir. Ça, c'est les choses vont sortir, quoi. Parce qu'on pourrait voir des gens qui ont dit oh oui, on l'accepte. Et au final, là, la mère peut dire par exemple non, moi, je n'accepte pas. Maintenant, les gens vont accuser la mère. Les gens même vont se mettre à insulter la mère. Or, ceux qui ne savent pas, c'est que tout ça là, ce sont des trucs qui sont trop spirituels. Il y a quelque chose derrière. Il y a un truc derrière. La mère a juste été à utiliser pour donner sa poitrine pour dire non. Et puis les autres vont dire oui. Mais il y a un truc derrière, il y a un truc, juste d'un truc derrière. Les gens sont en train de citer sa maman. N'insultez pas sa maman. Elle n'est pas seule. Peut-être même que les gens lui ont dit, il faut dire. Nous, on va. Peut-être que les gens lui ont dit, écoute, comme toi, les gens souvent savent que tu dégames, tu dis des trucs. Nous, on va faire un truc. Toi, tu vas dire. Nous, on va dire, oui, on a assez compris. Maintenant, toi, tu vas dire. Non. Maintenant, les gens vont passer le temps à t'insulter. Sans que nous, on sache que c'est nous qui sommes derrière et que c'est passé ainsi. De sorte que, voilà, il n'y a pas trop de trucs. Ça, vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague? Si c'est le diable qui ne veut pas que le gars se réveille et que dans cette histoire-là, il y a la main d'une secte. Et que cette secte-là est bien placée dans le pays. Ou est bien placée dans la famille. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont faire des trucs. Et demander à ce que le pasteur-là n'accepte pas. Pourquoi? En passant par cette stratégie mise en place. Juste pour qu'on enterre le gars. Vous savez que si c'était un autre problème qui est arrivé et puis le gars était décédé là, peut-être que les gens allaient ouvrir un peu les yeux pour voir. Mais comme c'était un accident, les gens se disent que c'est l'accident là seulement qui a fait que le gars est mort. Si tu penses que ça, c'est qu'on peut t'avoir facilement. Les gens peuvent programmer. Même. Des gens peuvent pousser des gens au suicide, des artistes au suicide. Est-ce que vous connaissez James? Est-ce que vous connaissez James? Est-ce que James chante encore? Est-ce qu'elle chante encore? Elle a dit dans une interview qu'elle a faite sur TF1, un truc de ce genre. Elle a dit que moi je ne veux pas finir comme Amy Winehouse et tous ces artistes qui ont mal fini. Est-ce que vous avez vu même? Allez regarder l'interview de James. Tout ce qui s'est passé à la palais de ça. Elle dit, je ne veux pas finir dans la dépression. Je ne peux pas mal finir. Je ne peux pas finir dans le suicide. Je ne veux pas me suicider. Je ne peux pas faire ceci et cela. Parce que vous n'imaginez pas ce que moi-même je vis seul dans ma maison. Je pleure quand je rentre à la maison. Je finis mon spectacle. Je te vois les gens, je suis jovial. Mais quand je rentre à la maison, je pleure. Et ce que nous on a pu voir, c'est qu'elle a été hospitalisée parce qu'on a dit qu'elle a tenté de se suicider ou bien elle a pris des choses. Voici, ça l'a mis dans tel et tel ou tel état. Parce que c'est de la blague ce qui a été passé même. Il y a un truc derrière. Dès qu'on attendait tous minuit ce jour-là, minuit n'est même pas encore arrivé. Déjà, dès qu'on était proche de minuit, peut-être presque minuit. Les gens ont commencé à parler pour dire « Oh, voici on organise les parties d'organisation pour ses funérailles, tout ce genre de choses. On donne les dates. On donne ceci. Je regarde ça et je dis « Ah, est-ce que les gars là, mais sont sûrs qu'ils aiment le gars ?»
ou bien c'est simplement ce qu'il veut faire. On vous parle d'une belle opportunité qui s'offre à nous, vous n'allez plus dépenser. Ou même vous voulez dépenser. Ou bien s'organiser des funérailles. Ou comment les gens appellent ça même là. Rendre hommage. Vous pensez que quand on dit rendre hommage à quelqu'un, c'est une chose qui est jolie à entendre. Je pense que c'est une bonne affaire. Vous pensez que c'est une bonne affaire. Un gars qui était jeune, tout frais, tout bien. On dit on va le ramener à la vie. En plus, il va servir Dieu, c'est une bonne affaire. Les gens disent, nous on préfère lui rendre hommage. C'est mauvais d'air. Mes frères et sœurs, les gens sont méchants. Les gens sont vraiment méchants. Je ne vous demande pas d'exister. Mais cette histoire-là, elle va nous arriver à nous tous. Même hier, un de ses collègues artistes, ont dit qu'il fait partie de la nouvelle génération. Il est venu même pour parler de ça. Il est venu pour parler de combien de fois les gens sont mauvais. L'artiste lui-même de son vivant, s'il demandait par exemple à être dans le stade le plus grand, peut-être qu'ils allaient l'insulter. Mais maintenant qu'il est mort, il a disparu là. Les gens veulent venir le soutenir comme c'est pas possible. Les gens sont maintenant chauds. Il parlait de ça. Il disait que ce n'est pas une histoire de dire que c'est ceci, c'est cela. Moi-même, ça peut m'arriver. Il parlait ainsi. Hein. Moi, je l'écoutais seulement. Tu savais, je l'écoutais. Il dit ce gars était de son vivant. Il vous a demandé de venir à son dernier concert. C'est beaucoup de personnes sont parties. Beaucoup sont restées à la maison. Maintenant qu'il est décédé, en 15 minutes, l'hôpital où il se trouvait là, tout était rempli. Si lui était venu le soutenir, peut-être qu'il ne serait pas dans la dépression, il ne partirait pas. Il dit que les gens ne savent pas soutenir les gens, ne savent pas soutenir les artistes, ne savent pas soutenir. Maintenant, quand cette personne est partie, ils sont prêts même à donner des millions, voire même des milliards. Juste pourquoi on enterre le gars. Juste pourquoi on enterre. Mes frères et sœurs. Parce que les pasteurs qui se sont levés pour sortir de parler là. Parce que eux, ils n'ont pas d'occupation bien. Ils parlent parce qu'ils ont envie juste de manger quelque chose dans cette affaire aussi. Même s'ils ont envie de manger quelque chose dans cette affaire. Même au pire des cas, ils ont envie de manger quelque chose dans cette affaire. Et que quelqu'un allait prier que ce gars revienne à la vie. Qui gagne? C'est Tom a parlé, c'est Tati qui a parlé. Il a parlé. Frères et sœurs, ce que nous entendons par rapport à ce stade-là, ça nous donne des leçons. Et moi, c'est maintenant que j'ai vu que l'argent n'est rien. C'est quand tu es vivant, tu cours après l'argent. Sinon, quand tu es mort, c'est là que tu comprends que l'argent a des limites. Les gens ont des milliards dans le pays, non? Les gens ont des milliards dans le pays. Il y a même des grands médecins ici. Mais que les milliards la parlent. Que les milliards ressuscitent quelqu'un qui est parti, qui nous est cher, qui nous coûte cher. Ou bien, que les gens ressuscitent avec le gars. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu te battre. Même tuer quelqu'un à cause de l'argent, même toutes ces choses que tu connais. À partir d'aujourd'hui, commence à être intelligent. Si tu as une voiture comme ça, tu te remercies. Il ne faut pas me toucher à une voiture. Si tu as une maison, tu te remercies. Mais ne me pas aux gens que tu as une maison, tu n'as pas ta voiture pour montrer aux gens que tu as quelque chose. Il faut chercher Jésus-Christ, c'est mieux. Et puis il faut être un. Les milliards de gens ne peuvent même pas ressusciter le cas. Le cas même maintenant qu'un autre homme, une autre personne, on vient. Moi,
Mais j'ai cru que même tous ses collègues artistes allaient peut-être faire des vidéos aussi pour dire bon, les gars, on ne perd rien. Parce que nous, même pas ceux qui veulent prier, allons prier pour que le gars arrive, on ne sait jamais foutre planter. Ah, faut quand même planter ou bien. S'il échoue, si le gars il a échoué, nous on saura comment parler à ce pasteur-là pour qu'il ne réponde plus ses bêtises. On saura comment le gérer, mais. Tous les fans de cette star parlaient ainsi. Nous tous on parlait, nous tous on avait le même langage. Tous ceux qui aiment le gars, nous tous on voulait que le gars ne soit pas. On voulait qu'il tape. Même le président des fans de cette star-là voulait. Il voulait. Vous connaissez au moins. Que ce soit un faux pasteur, que ce soit un vrai pasteur. On va voir si ça, la parole de Dieu va s'accomplir. C'est là nous on va l'attendre. Mais oui, il y a un truc derrière cette affaire là. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit facile. Et sans doute, nous allons te couvrir ce qui est derrière ça dans la suite. Nul n'est pas fait. Mais nous savons tous que quand Dieu décide de ressusciter un gars, c'est que Dieu travaille avec cette personne. Moi, c'est tout ce que j'attendais, tout ce que j'attendais. Que va-t-il se passer? Toi qui n'es même pas encore enterré. Toi que je n'ai pas encore vu son corps dans la tombe. Moi j'y crois encore. Pour moi, je n'ai pas encore fini. C'est un peu que commencer. Abonne-toi, partage la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Sois prêt pour la prochaine vidéo. Il y a un pasteur, un ex-sataniste qui va nous donner quelques détails, des révélations sur la disparition aussi. C'est à nous que je vais vous tout à l'heure là. On va traiter cette vidéo-là à mon témoignage puissant. Ça pourra partir ici. Abonnez-vous, comme vous l'a dit, partagez cette vidéo aussi au maximum. Et soyez prêts. Tout est possible. Tant que ce gars n'a pas encore atterri, il est à la mort, les gens sont en train de discuter là. Tout est possible. Est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous n'y croyez pas? Avant, j'étais chaud pour les maisons, acheter les maisons. Je me disais, moi-même, là, je vais acheter des maisons, là, je vais acheter des voitures. Il fallait me voir mettre mes projets, ceci, cela. Mais quand ce gars-là est parti, j'ai dit, comment ce gars-là avait des grands projets. Il avait même des projets. Mais, il est parti. Juste comme ça, il est parti en laissant ses projets, en laissant ses idées, en laissant ses voitures, en laissant sa maison. On dit une maison, un plus un en construction, ses millions, ses fans. Il est même toujours voir ses fans. Vous pensez que ça ne fait rien de se faire de se faire applaudir quand même. C'est tout qui fait ça. Il te fait quand ces femmes applaudissent. Mes frères et sœurs, je pense que nous devons apprendre à chercher Dieu maintenant quoi. Nous devons apprendre à chercher Dieu maintenant quoi. Ou bien, nous sommes jeunes. Elle dit que les jeunes ne meurent pas, les jeunes ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont forts. Mais il n'est pas mort, mais depuis, on ne le voit pas où il est. Mes frères et sœurs, dites aux jeunes, donc allez le chercher, quand il nous possède devant nous, on va le voir seulement. Juste le voir. On veut juste le voir. Si c'est un buzz, tout le monde dit que c'est un buzz, on prend l'affaire. Et oui, cette fois, tout le monde dit que c'est un buzz, on prend l'affaire. Mais bizarrement, lui-même, il parlait, il disait à tous ses fans, il dit que vous, les fans, vous pensez que souvent quand on parle comme ça, vous pensez que c'est un buzz. Vous allez perdre un artiste. Vous allez perdre un artiste. Et vous aurez ça sous votre conscience. Il parlait également de XX Tentation. Il disait à ses fans que XX Tentation, il disait toujours à ses fans que un jour il allait partir. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Est-ce que lui aussi, c'était ce qu'il voyait sur lui? Et qu'il a préféré préparer ses fans à ça? Qu'est-ce qui était vraiment derrière sa disparition?
y a un ex sataniste qui a venu nous expliquer certains détails qui risquent même de vous étonner. Cette vidéo va apparaître ici après cette vidéo. Restez toujours connectés. Moi, mais c'est même chaud, mais pour attendre ce qu'il y aura à dire. Soyez prêts. C'est parti.